Bienvenue au service client de France Télévisions. Le service client de France Télévisions est un contrat tripartite qui réunit France Télévisions, Armatis et également l'entreprise adaptée Distance Service. Ici, tous les jours, je vais répondre aux demandes des téléspectateurs, que ce soit pour les programmes, pour les replays, pour la réception. France Télévisions assure une mission de service public. À ce titre, nous prenons en charge tous les contacts que nous recevons, qu'il s'agisse d'opinions, d'interrogations qui portent sur l'intégralité de l'offre France Télévisions, bien entendu. Faire partie du service public, ça nous permet d'interagir avec des personnes qu'on laisserait de côté sans cela. Alors nous sommes joignables par téléphone, par email, sur les réseaux sociaux. Ce sont des contacts qui sont beaucoup plus directs. On va toucher effectivement des publics plus jeunes sur les réseaux. Le site France TV et vous, c'est la plateforme relationnelle du groupe France Télévisions. On va y trouver des informations sur les programmes, des offres de fidélité également, et nous continuons à répondre aux courriers que nous recevons. La particularité de ce service client, c'est surtout la diversité des contacts que l'on reçoit. Nous pouvons recevoir de nombreuses réactions de téléspectateurs, des demandes de médiatisation de leur situation personnelle. Dans ce cas-là, on les renvoie vers leur région pour que leur histoire soit médiatisée par leur région. Le recrutement de nos téléconseillers s'appuie sur des tests rédactionnels dans un premier temps, mais également sur l'intérêt et la curiosité qu'ils vont porter à la télévision, à l'actualité. Les qualités à avoir, être attentif aux demandes des téléspectateurs. France Télévisions, bonjour, Benjamin, à votre écoute. Et puis être vraiment empathique. Nous, on est vraiment dans l'humain, on répond vraiment de façon personnalisée. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'il faut être réactif, faire des réponses sur mesure et puis s'adapter au quotidien. Mon quotidien, en général, j'ai à gérer des appels, des demandes qui ne sont jamais pareilles l'une après l'autre. Je ne sais jamais ce que je vais avoir. Donc, je dois réagir très vite et trouver vite l'information. Quand je ne l'ai pas, effectivement, je vais faire des recherches plus poussées. Donc, pour ma part, je suis assez Sherlock, investigatrice. J'ai à cœur de trouver la moindre référence demandée par les téléspectateurs. Pour moi, c'est très important de venir en aide à chacun des téléspectateurs qui nous contactent. Les téléconseillers, c'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui ressentent l'ambiance, qui ressentent ce que vivent vraiment les téléspectateurs, et ce sont ceux qui en parlent le mieux. C'est vrai que nous pouvons recevoir des appels de personnes en détresse qu'on oriente vers les autorités compétentes. Et la plus grande proximité je vois depuis que je suis sur ce service, c'est celle qui s'établit par téléphone, parce qu'on sent vraiment que les téléspectateurs ont besoin d'être écoutés, entendus. Je me souviens particulièrement un souvenir qui était assez prenant. C'était effectivement le jour où les deux journalistes, donc Stéphane Taponnier et Hervé Guéquière, ont été libérés. Ça a été pendant 2 heures non-stop. Des appels de gens qui étaient fous de joie qu'ils soient libérés. Au sein du service client France Télévisions, on a une ambiance vraiment très agréable, une très bonne entente, et surtout on essaye de faire en sorte de travailler tous ensemble, c'est-à-dire que chacun donne son avis. Et la télévision, il y a quelque part, elle appartient à ses téléspectateurs. Donc ils ont besoin de pouvoir participer également.